C'était que j'étais un petit peu protégé, dans par mes coéquipiers pour un gros final. Chose faite, on avait Joris toute la course devant. Après, on a toujours été en surnombre. David, Fabien Schmitt partir à l'avant aussitôt, je me suis dit ah, c'est culotté quand même. À 5, ça nous a pas fait peur, on savait qu'ils n'ont jamais pris plus d'une minute. Et sur un circuit comme ça, enfin une minute c'est pas grand chose en fait. C'est pas grand chose, donc non, ça nous a pas inquiété, c'était limite très très bien. En fait, on avait dit à deux tours de l'arrivée, il me dit bon, on n'attaque pas. Bon, ben moi, ça m'allait très bien. Je savais que j'allais un petit peu plus vite. À un tour, on s'est dit bah voilà, un à gauche, un à droite, et puis on fait ça à la patte, à la régulière. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est un super mec. S'il veut gagner des courses aussi, je pense, c'est un compétiteur, mais il veut les faire à la patte. Et aujourd'hui, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai une meilleure pointe de vitesse. Je pense que j'étais un peu plus fort sur ce genre d'arrivée. C'est bien celui qui a été le lauréat à 9 reprises sur la saison 2017, qui est jusqu'à la 2e position, encore pour moi donc, qui a repris le commandement. Maxime Cap en première position pour la place de l'heure, le voilà qui va terminer en 3e position, ensuite à 4e position.